Alors moi je vais tirer le 25 mètres, le pistolet 25 mètres, pistolet 10 mètres et pistolet 10 mètres en mixtime. Alors moi je vais tirer le pistolet 10 mètres, le 25 mètres et puis les mixtimes avec Mathieu. Alors moi je vais tirer le pistolet 10 mètres et le pistolet 10 mètres mixtime. Juste le 10 mètres et peut-être le mixte, hein. Si elle veut bien. Alors il va y avoir un training camp à Châteauroux au début du mois d'août. Donc là, ça va permettre de pouvoir s'entraîner en groupe et de matcher aussi. Et puis ensuite, un petit peu d'entraînement à la maison plus personnel. Maintenant, on a fait un stage début juillet à Fleury. Les championnats de France, ça fait partie de la préparation. Oui, ça change. Pour ma part, je vais avoir une petite coupure là après au niveau de l'entraînement. Et puis reprise au training camp début août pour monter en puissance jusqu'au championnat du monde. Au niveau mental, je suis en contact avec un préparateur mental régulièrement. Il vient nous rendre visite courant août pour mettre un peu en place les stratégies qu'on aura sur les championnats du monde. Alors moi aujourd'hui, c'est plus des débriefs avec mon entraîneur sur les entraînements quotidiens et pour pouvoir peaufiner, on va dire, les derniers points techniques à travailler, et notamment aujourd'hui sur l'aspect stratégique. Préparation physique, j'ai une à deux séances de renforcement musculaire par semaine. Et au niveau préparation mentale, j'ai un préparateur que je vois, enfin que j'ai sur Skype une fois par mois ou un peu plus selon les besoins. Bah, on sait ce qu'on a à faire chacun, on tire. Puis on se connaît bien. Ouais. Voilà, on connaît les habitudes de chacun, donc ça permet. Pas tout, heureusement, on connaît non, pas non, tout. Non, mais d'avoir une routine au niveau du tir. Moi, je dirais qu'on se fait confiance au fur et à mesure des matchs. C'est vrai qu'on a quand même vécu beaucoup de matchs, beaucoup de finales ensemble, ce qui fait qu'on se connaît de plus en plus. Et c'est vrai qu'on sait comment chacun fonctionne et on arrive à s'adapter facilement à comment l'autre est ce jour-là. Moi, je dirais que le point fort de Florian, c'est qu'il veut toujours bien faire. Elle a quand même souvent le sourire, très souvent, malgré tout, même quand c'est pas facile. Puis c'est une bonne tireuse, solide. Et Céline, qu'elle est motivante et qu'elle est toujours à fond. Son éternel optimisme, c'est quelqu'un qui veut toujours les choses belles et qui vont bien se passer. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide aussi beaucoup également. Alors moi personnellement, ça va être de faire des finales dans chacune des disciplines. Pour moi, les trois sont aussi importantes. Donc moi, j'espère faire des finales. Et puis après, une fois qu'on est en finale, là, on joue la médaille. Aujourd'hui, on a déjà fait pas mal de médailles sur les Coupes du Monde. Donc là, on sait qu'on a des chances d'obtenir un potentiel quota pour les Jeux Olympiques. Donc on ira le chercher jusqu'au bout. Déjà une finale ? Oui, c'est un bon début. Voilà, parce qu'on n'en a encore jamais fait ensemble, on était très proches. On était vraiment pas loin. Puis une fois qu'on est mis en finale, oui, bah après, c'est on va gagner, quoi.